Bonjour tout le monde, ici The Rock. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 28 de BioPro avec les sabres de Buffalo et leur fiche surprenante de 34-23-10. Donc on va aller voir le calendrier, il nous reste pas beaucoup de matchs là. En fait il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 matchs. 15 matchs et présentement on est premier que j'ai des stats. Donc il reste peut-être, je vous dirais, 2 à 3 épisodes avant qu'on atteigne les playoffs, espérons-le. Donc, si on va voir les stats, on est sur une bonne passe présentement. Et ça l'aide parce que 78 points, là, c'est bon pour... On a encore 5 points d'avance sur les Sénateurs d'Ottawa. Que s'ils nous rattrapent, on tombe 3e et on reste quand même dans une place en playoff. Et en plus, ils ont un match de plus à jouer. Donc, la seule équipe qu'on devrait faire attention, c'est peut-être les Canadiens. Mais encore là, donc je trouve que si on continue comme ça sur cette séquence-là, il y a juste des bonnes affaires qui vont nous arriver. Mais là, présentement, on a un gros test comme premier match. Et c'est les Pingouins de Pittsburgh. Donc, première période, 1-0 Ryan O'Reilly sur Matt Murray. Deuxième période, 3-0 Jack Eichel et Sam Reinhardt. Donc, même si les Pingouins sont probablement premiers de la Ligue, ça n'impressionne pas les Sabres. Mais regardez leur fiche. Regardez, 89 d'attaque, 90 de Dave, 88 de goaler. On est 91, 92, 85. Donc, honnêtement, il y a peut-être des blessés du côté des Pingouins là, à voir. Donc, The Rock est présentement sur une excellente... séquence. Une excellente séquence. Là, à chaque épisode, à date, j'ai marqué, j'ai fait des passes, j'ai obtenu des points. Dernier match de la dernière épisode, j'ai eu 3 points. Donc, si on peut continuer sur cette séquence-là, ça va très bien. Je sais pas si c'est la troisième ligne qui fait ça. Mais à date, avec O'Reilly, là, même O'Reilly va extrêmement bien. Là. De Rocco amène une puck au net, that's it, là, à 3-0. Là. On n'a pas besoin d'aller full agressif. Là. On amène des pucks au net. Face-off en zone offensive, exactement comme ça. Et c'est en écoulant du temps en zone offensive qu'on va aller chercher cette victoire-là. Et 3 buts d'avance, là, c'est excellent. Là, on pouvait pas demander mieux. Bogosian, good shot. Et un autre face-off en zone offensive, that's it. Et O'Reilly, sur le cercle des mises en jeu, là, ça va plutôt bien. Là. C'est un centre extrêmement bon, là. Lui et Jack Eichel, c'est clairement les deux meilleurs centres. Je sais pas pourquoi il est sur le troisième, mais bon. Foligno, belle tentative de passe. Je vais rester troisième homme. Pas mal gros dans cette game-là, là. Pour empêcher la contre-attaque, là. Et voilà, drette comme ça. Et voilà, Sandvis va Cook. Bel arrêt. Robin Lehner, tu peux m'ordonner ça. Il n'y a pas de trouble. Je vais amener la puck et on s'en va changer tout le monde. Wow, wow, watch out. O'Reilly. Vanderrock, low shot! Oh, je pensais peut-être un rebound pour Foligno. Le chiffre commence à être long, donc on va apporter des changements dans les filets. De Rock toujours. Pas la rondelle. Ça veut dire qu'il faut aller changer. Là. Let's go. 30-20 les tirs en faveur des Sabres. Comme d'habitude, il y a une domination du côté des tirs au filet. Là. Et Kulikov fait le bon jeu et dégage. Il reste déjà 10 minutes à faire. À la période, tir au net, O'Reilly. Good shot, rebound, Foligno, le retour. Oh, il manque le filet. On a raté des belles chances, le Cook. Oh, que si je pourrais le frapper violemment, Cook, là. Je dirais pas non. Derrière le filet, on glisse la rondelle. Holy matin, je sais pas, je suis censé avoir quel div. Tir bloqué. Ok, Foligno, garde ton div, je vais prendre Pouliot, et voilà. Et voilà, offside. C'est imbécile. 3-0 toujours. Et la troisième ligne, on a quand même beaucoup de temps de jeu là. Tu veux pas fatiguer ton premier, deuxième trio là. Attention, 2 contre 1, good save. Cook, good job. Devant le filet, 5 vis, tir qui est bloqué. Frenson, watch out, Georges, watch out, donne le puck. O'Reilly, oh, je voulais pas la caler. Tyler Ennis, va De Rock. Good save, rebound, oh, good job. J'avais une bonne chance, j'ai essayé encore une fois du côté du bouclier. Mais Matt Murray a été solide là-dessus. 8-15 et on a un avantage numérique. Parfait, là c'est un autre de 2 minutes qu'on va pouvoir écouler en zone offensive. Là. Je pense que ce match-là il est pas mal décidé. Là. Event 2-Kane, Vanderrock. Pas de revirement de Rock vers Kane. Vanderrock, on étire ça. Kane, oh McCabe, de Rock. Il n'y a personne à l'avant du net, là. J'aime pas ça, pas en tout. Devant le filet, non, il n'y a personne, mais j'ai aucune option.
Personne à l'avant du net pour si je veux tirer puis qu'il y ait un petit retour. Non. Kulikov passe à The Rock, la rapidité. La rapidité, that's it. The Rock est là, le diff. On me laisse l'espace. Non, on rate complètement. Olimata, good poke check, gravel. Dégagement. Et Olimata va facilement passer. Donc, un avantage numérique. Très peu. Comment je pourrais dire ça? Très peu dangereux. The Rock s'amène. The Rock tente une feinte à travers les deux défenseurs. C'est complètement raté. Gravel. Revirement. The Rock prend ton temps, là. Il n'a pas besoin de revirement. Passe et va changer. Ça suffit. On va laisser la chance à la première vague d'avantage numérique parce que là, c'était assez dégueulasse. 3 minutes à faire et les Sabres iront gagner un autre match cette fois-ci. C'est un 2 points bonnie, là. Surtout contre les Penguins. C'est pas une équipe avec qui on se bat pour les playoffs. Donc, c'est un 2 points qui va être bonnie, comme on dit. Patrick Hongvis devant pour Pouliot. Oh, belle fête! Et le but, oui, bravo. Couvrir la pointe, ben voyons donc, game. Je peux pas mieux couvrir la pointe, là. Let's go, là. J'ai plongé pour bloquer mon tir. Là, il a passé l'autre bord, là. C'était plus ma place. Ce n'était plus ma position. Et Crosby, seulement son 17e but, là. Seulement son 17e but. C'est peu, là. Conacle, bonne mise en échec. Dumoulin. Dumoulin s'amène, tu sais, bloqué, là, là. C'est un match de 2 buts seulement, là. Faudrait pas... Oh, come on, là. Faudrait pas laisser tomber. Bogosian, Foligno. Donc, passe à Derek. Derek s'amène. Derek, belle fête. Perd du temps en zone... En zone offensive. Oh, come on. Mais je parle à puck à rien. Je parle à puck tellement à rien. C'est ridicule. Oh, là, là. Jack Eichel. Mauvaise communication. Longue passe. Vers Okposo. 3 contre 2, ok, même si ça fait un long chiffre, là, je me porte en attaque. Okposo, Okposo, devant The Rock, oh oh oh! Quel tir de Murray, quel tir de Murray, quel tir de The Rock, quel arrêt de Matt Murray. Et c'est ce qui devrait mettre fin à ce match, là. Un match sans trop d'émotion, 3-1 la victoire, solide performance de Robin Lehner, solide performance de l'équipe. Et Buffalo ressort de là avec 2 points en banque de plus, that's it! Prochain match, on ne jouera pas contre Anaheim, on ne jouera pas contre LA, on ne jouera pas contre les trois ici. Je pense que c'est inutile de jouer contre les trois. On va se concentrer sur les matchs contre notre division, donc les Bruins de Boston. C'est une équipe contre laquelle il va falloir gagner. Tampa Bay aussi, Toronto aussi. Donc c'est les trois prochains matchs après le voyage dans l'Ouest. Ça va être important. Et là, oh my god! Je vous place sur la 4e ligne d'attaque, ok? Ça veut dire que je joue vraiment pas assez de matchs. Pourtant, là, j'ai retiré le truc qui nous donne des conséquences de simulation. Là. Ça veut dire que je serais pas censé être pénalisé. Là. My god! Et là, dans le voyage de New York, on est 1-1-1. Dans le voyage de New York, dans le voyage de... Dans l'Ouest, on est 1-1-1 comme fiche. Donc, c'est pas mauvais. Et là, on affronte les Bruins de Boston. Mais là, il faut que je remonte sur le trou. What the fuck, coach? Et là, faites-moi pas comme les... Faites pas comme les Blues... Les Bruins dans les NHL 16. Et me descendre juste avant les playoffs. Faites surtout pas ça. Ashing a marqué, donc les Sabres mènent 1-0 contre les Bruins qui tentent de peine et de misère de participer aux playoffs. Donc, The Rock est la 4e ligne. On va avoir des missions défensives. 1-0 contre Boston. Ça va être des missions défensives. 26 tirs contre 12. Comme d'habitude, on mène dans les tirs et aïe, 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 il y aura beaucoup moins de temps de jeu. Là. Mais pourquoi tu mets un joueur offensif sur ta 4e ligne? Surtout que je suis pas d'un pire, là. Je suis pas d'un pire pointeur, là. Aïe, aïe, aïe. Un peu ridicule. Et là, j'ai même pas allé voir qui joue avec Gergensen et Delorier. Bon, Gergensen, c'est pas du pire. Delorier, ça commence à être faible, là. Aïe, aïe, aïe. The Rock, good poke check. Here we go, coach. Tu vois que je suis capable de jouer, coach. The Rock. Backhand and he scores! Rock, The Rock. Facile. Et 2 buts d'avance pour les Sabres. Here we go, coach. T'as pas d'affaire à me mettre sur le 4e. J'ai pas d'affaire sur un 4e trio. Pas tout. 13-08. Et j'ai beaucoup moins de temps en glace et ça paraît. Jimmy Hayes, Stanton Pass, Beleski. À la pointe, McWade vers Hayes, devant le filet, good poke check by Cody Franson. Par la bande, The Rock, watch out, turnover to The Rock, Spooner, pas d'option devant, oh come on, Robin Lehner,
Ça, c'est pas de ma faute, là. Je me mange des points négatifs sur des trucs qui sont tellement pas de ma faute. Ridicule. 2 à 1. Et la quatrième ligne fait mal sa mission, là. Hey! Oh my god! Come on, Pasternak! Back. Oh, come on. Premier sur le puck. Non, Bergeron est premier sur le puck. Bergeron tente une passe, la mise en échec. Pasternak, c'est raté. Morrow vers Pasternak. Pasternak tire au filet bloqué par Kulikov. Mauvaise sortie de Kulikov, mais beau jeu par la suite. Et là, Morrow semble être pris. 43 secondes, faut que j'aille changer. Là. Morrow, ok, on est proche du banc, on va aller changer. That's it. Donc, mon but, là, présentement, devient très important, là. J'ai plus de temps de jeu. Je n'ai plus de temps de jeu. Kulikov passe à McCabe. Vers Delaurier. Delaurier, dégagement. That's it. The Rock, premier sur le puck. The Rock, oh, même pas. Mais Delaurier, revirement. Good job. Là. Ça, c'est la pression. Là. Back. Good poke check. That's it. Vetrano passe à Murrow. Vers Krejci. David Krejci. Oh, quel fight. Passe à Vetrano. Il compte. Fuck, man! Moins deux, ben oui. Non, parce que j'ai compté, mais... Moins deux lors des deux derniers... Aïe. Fuck off, man. Tukarask. Oh my god, Tukarask a fait un revirement. On n'a pas pu en profiter. Let's go, là. Déjà patiné vers le banc. Come on, coach. Non, tu décalisses. Là, The Rock. Ah ouais, sortie de zone. Falling Hill. Je retrouve mon troisième trio le temps de 2 secondes. Mauvais appel de passe. Je m'en vais changer. Ça fonctionne plus pour The Rock, là. Dad Balsma est en train de détruire ma confiance. Prochaine étape est calvaire. J'ai eu 4 chiffres. Puis j'ai un but là-dedans. Aïe. Prochaine étape, je vais être descendu dans le AHL. Ridicule. Est-ce que j'ai du temps à 3 contre 3? Come on. Tu peux pas m'ignorer à 3 contre 3. Aïe. C'est une punition. Dan Bylsma, je sais pas pour quelle raison. Dan Bylsma me punit. Et là, on va probablement être là pour longtemps. Jack Eichel rate le filet. Je vais faire mon annonceur, mon communiqué, mon tabarnak, j'ai de la misère à parler. Je vais faire mon Pierre Rude. Bergeron s'amène. Bergeron large à gauche. Bergeron fight. Tire. Bel arrêt de Robin Lehner. Il a suivi Patrice Bergeron. Et oh, qu'il semblait y avoir une ouverture, mais Robin Lehner est revenu juste à temps. Bel arrêt. Tyler Ennis s'amène. Ralenti. Fight. Tire. Arrêt de Tukarask, ça avait de l'air facile, de la mitaine. Prochain joueur, Brad Marchand s'amène. Fin compteur, Marchand tire directement sur Robin Lehner qui ne lui a rien laissé. Ocposso peut mettre beaucoup de pression, Ocposso s'amène. Beau poke check de Tukarask. Et on pourrait être ici pour un long moment les amis. David Krejci s'amène. Et compte! Victoire des Bruins de Boston et les Sabres de Buffalo échappent une grosse partie. Un gros point important, là. Mais la bonne nouvelle, si on peut trouver un point positif, c'est que The Rock a un but et les Sabres ont au moins un point sur deux. Prochain match contre le Lightning de Tampa Bay, un autre match important. Ils ont sensiblement la même fiche. On a beaucoup plus de défaites en tir de barrage ou en prolongation, mais bon. C'est une équipe qu'on se doit de battre, c'est quasiment un match à 4 points. Là. Let's go, première période, 0-0. Deuxième période, Scotty Upshaw l'a marqué. The Rock est encore sur le quatrième trio. Faut que je force la main de Dan Bylsma. Faut, j'y prouve que, en entrant dans les playoffs, je suis pas un joueur de quatrième trio. Je suis un joueur qui va vous faire gagner les playoffs. La Coupe Stanley, let's go, down. Dan Bylsma, wake up. Les Sabres perdent par 1, donc... Faudrait la gagner celle-là si on veut pas se mériter deux défaites d'affilée là, ça serait important d'en marquer un. Le 15 minutes 57. The Rock n'a plus de temps de jeu. Les boys, j'ai perdu tout mon temps de jeu. Brendan Coburn. C'est le temps d'en marquer un là pour forcer la main de mon entraîneur et me remettre sur les trios offensifs là. Scotty Upshaw! Mais à chaque fois que je suis sur la glace, Robin Lehner n'arrête aucune rondelle.
Aucune arrêt de la part de Robin Lehner qui a chuté sa glace. Et là, je me mange des moins, puis des moins, puis des moins. Scotty Upshaw, venez pas me faire dire, c'est-tu, que Scotty Upshaw, il a les mains pour walk-in, trouver un spot 5-hole. Et tandis que The Rock, qui est un fabricant de jeu, a même pas les mains pour faire un petit move normal. Aïe, 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 c'est ridicule. Chris, je veux bien être 78, là, mais calvaire. J'étais un fabricant de jeu, je serais censé avoir certaines mains. Scotty Upshaw a bien failli marquer son fucking taux de chapeau. Pensez-y. Et Scotty Upshaw là, me rattrape. The Rock a pas beaucoup d'options. The Rock devait être flé. Le tir qui est bloqué, ben oui, facilement. Moi, des points, ça arrive pas. Tir au net. Quel tir de Bogosian. The Rock tente de tirer, c'est bloqué. Delorier tire au net. Mais tire! The Rock, le patin, où est la rondelle? C'est The Rock qui là, devait être flé pour Delorier qui swing dans le beurre. Wow! Mais j'ai du talent. J'ai du talent avec moi sur le quatrième trio, c'est sûr que ça me met en valeur. Je vais me calmer parce que là, NHL, EA Sport m'a commencé à devenir comme Lucky Shot, esti, là. M'a commencé à me poser des questions sur si je continue ou pas. Parfait. Oh, god damn. Et là, on est à l'avantage numérique, c'est le talent. C'est le talent d'aller scorer un but. Donne ça! Ah ouais! The Rock avec O'Reilly. Laisse pour O'Reilly. Pour The Rock, s'il vous plaît. Belle passe. Mais oubliez ça! Les boys, je vous jure, je vais péter une coche, man. Je vous jure, je vais me fâcher. The Rock s'amène. The Rock patine par la rondelle. Jonathan Drouin s'en empare. Et calvaire de Chris. Mais calvaire! Belle passe à The Rock, va probablement se faire pousser ou perdre la rondelle sans aucune crise de raison. The Rock, dans la filet, c'est raté. Ryan O'Reilly, prends ton fucking temps, O'Reilly. À la pointe, Reinhardt. Mais passe-la à la puck, le gros! Aïe, aïe, aïe. On va aller changer. 2-0 toujours pour le Lightning. Et les sabres à moins d'un... Pff, non, c'est fini. Piqué. Il reste à moins que The Rock le fasse un petit miracle, les marques en désavantage numérique, c'est pas mal fini là. Garrison, frappé par The Rock. Vishnevski, frappé par The Rock. Garrison, vers Stamkos. Steven Stamkos, pas beaucoup d'options, good hit. Bogosian, dégagement jusque là le fond. Garrison. Passe ratée derrière, là. Let's go, The Rock. Hey, come on! Mais passe-moi là plus rapide! T'essayes quoi, Bogosian, d'aller coast-to-coast? T'as de la misère à quoi? Arrêtez un contre un. Check ça, les boys. Garrison, le gars avec le plus de mains dans la Ligue nationale, fait un toe drag. Nous autres, on a high cold. Qu'est-ce qu'il fait? Il se rentre dans la bande, il prend la puck. What the hell? Mais c'est quoi ce match, cet épisode de marde-là? Killorn, par la rondelle, la récupère. Kulikov, McCabe, Kulikov, je suis seul au centre. La passe tellement suicide. The Rock s'amène. Debord Edmund. The Rock. Devant le filet, c'est raté. Gergensen. Pas beaucoup d'options. Il va la perdre. Il va la perdre. Ben oui. Ils sont pas capables de se donner le puck dans des espaces libres. Puis d'effectuer des jeux qui vont mener à des fucking buts. Bel arrêt de Ben Bishop. On est-ce qu'on peut être premier sur le puck? The Rock est là. The Rock récupère. Prends ton temps, prends ton temps. Est-ce que j'ai une option? Dans le fond, that's it. Delorier devant pour The Rock. Va Delorier! Va The Rock! Quel jeu! Tir imprécis, my ass, man. Fuck you, esti. Tu voulais que je tire où de plus? The Rock échappe le puck sans aucune crise de raison. Encore, The Rock s'amène. Tire au filet, touche même pas le net, même pas proche. Il peut pas être sa quatrième ligne. Il parle le puck que... comme rien, esti. Oh, bel arrêt de Ben Bishop. Non, mais je comprends Dan Balsma de mettre The Rock sur la quatrième ligne. Il n'y a pas de pression, il échappe le puck. Il rate le net quand il n'y a pas de joueur devant le filet. Honnêtement, cet épisode-là est à mettre à la corbeille. Je suis désolé d'avoir été fâché, mais là, je vais aller vous montrer à qui, pour quelle raison c'est de la sti de bullshit que je suis sur le quatrième trio. Voilà la raison pourquoi ça ne fait aucun sens que The Rock soit sur le quatrième trio. The Rock a été blessé pendant 27 jours environ. On a manqué, je dirais, ok, on a manqué 6 matchs. The Rock a manqué 6 matchs.
Il a 44 points en 67 games. 44 points, là. On parle pas d'un Matt Molson qui est même pas sa quatrième ligne. Puis Matt Molson a 20 points en 73 games. On continue. Delorier, Bogosian, Georges, Gilbert, Nelson. C'est ridicule. Girgensen, Foligno est sa troisième. Evander Kane, il est sa deuxième. Il a 33 points. Tyler Ennis est sa deuxième. Il a 33 points. Durock a 40 points en 67 matchs. Moins 10. Je peux comprendre. Un gars de 22 ans, il est à sa deuxième saison. On sait que les deuxièmes saisons, c'est difficile. Il est à 16 points de Jack Eichel, qui a 4 matchs de plus de jouer. Vous comprenez à quel point ça fait aucun sens que Durock soit sur le quatrième trio avec des gars défensifs. Je suis un fabricant de jeu, pas un two-way forward. Ridicule. Donc, j'espère que vous avez apprécié. On va essayer de s'en prendre au prochain épisode. Laissez un like, aimez, partagez, commentez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour plus. Sur ce, je suis de bonne continuation. À la prochaine. Ciao.